J'ai dit Vince, mesdames, messieurs, qui c'est candidat ça que Donald Trump lui-même lui choisi pour capable venir vice-président. J'ai entendu déjà qu'il y a une possibilité pour gagner une réunion entre lui-même avec Tim Walz, qui c'est gouverneur état Minnesota. Eh bien, réunion ça lui-même, il n'y a pas qu'on gagne une date fixe juste pour être capable de faire. Eh bien, dans le moment que nous avons parlé là, eh bien, réunion ça lui-même, il est confirmé entre sénateur Ohio, qui c'est J.D. Vince, et gouverneur état Minnesota, lui-même qui c'est Tim Walz, mesdames, messieurs. Nous allons dire dans quelle date réunion ça lui-même pour être faite. Et J.D. Vince lui-même, il déjà fait qu'on est que, il souhaitait pas bien retrait qui fait dans réunion ça, il est déjà prêt. Et faut que Tim Walz lui-même, c'est pas jouer que le pral vient jouer dans réunion ça qui pral fait là, mais c'est plutôt bagaille sérieux qui pral vient pour parler dans réunion ça pour peuple américain, que c'est pas une faux réunion que réunion ça lui-même lié. Entre parenthèses, faut qu'on ait que débat qui pral vient pour faire entre Kamala Harris avec Donald Trump là, il y a possibilité pour que gagne trois débats qui fait entre eux-mêmes et vice-président également eux-mêmes. Yo gen possibilité juste pour capable débattre entre eux. Ça déjà annoncé la couleur entre J.D. Vince et Tim Walz, mesdames, messieurs. Et puis, il y a Donald Trump lui-même qui a fait un déplacement qu'il a fait dans la Caroline du Nord, mesdames, messieurs. Quand que il a utilisé la question économique pour être capable de tacler Kamala Harris, mesdames, messieurs. Et d'abord, pour que Caroline du Nord également, Kamala Harris, il a une possibilité pour être capable de faire un déplacement pour aller dans l'endroit ça. Et Donald Trump lui-même, il est déjà allé dans la zone ça pour que l'organise réunion et il est déjà utilisé question inflation, mesdames, messieurs, juste pour être capable de tacler Kamala Harris. Depuis avant que Kamala Harris lui-même l'aille dans la Caroline du Nord, et bien c'est une façon pour être capable de réduire question électeur dans la zone ça pour Kamala Harris. Et la fois qu'on est que Caroline du Nord, c'est une zone que Donald Trump lui-même était déjà gagné là-dedans. Depuis la campagne qui était faite en 2021 face à président Joe Biden, eh bien, non moins que nous avons parlé là, mesdames, messieurs, eh bien, Donald Trump lui-même, il est retourné dans le même endroit ça encore, eh bien, il est déjà à tacler Kamala Harris depuis avant que Kamala Harris lui-même lui arrive dans l'endroit ça, mesdames, messieurs, juste pour être capable d'organiser rassemblement pâle, dans l'idée pour capable sensibiliser les gens, pour capable montrer au plan que le gain est pour eux. Et plan que le gagne pour avenir américain, mesdames, messieurs. Trump continue à faire tout ça capable, mesdames, messieurs, juste pour être capable de réduire la question de monde qui pour aller voter Kamala Harris et la fait tout ça possible pour que les capables de remporter l'élection. Mais il faut toujours pas oublier que ce n'est pas un bagage facile pour lui pour que l'État capable de remporter l'élection. Nous ne pouvons pas courir dire que Trump lui-même n'est pas bon. Parce que n'importe le n'importe bagarre est capable de passer, mais la vraiment difficile pour que Donald Trump lui-même l'est arrivé remporter l'élection. Parce que Kamala Harris lui-même l'est déjà bien presque toutes conditions qui réunit pour que l'État capable de remporter l'élection, mesdames, messieurs. Et n'a pas que candidat lui-même, il y a environ 3 mois devant lui, il n'y a pas plus que ça pour que il soit capable de montrer au peuple ça que il y a dans Jacoutio et pour qu'il soit capable de sensibiliser le peuple dans l'idée pour capable de mettre l'autre monde dans le pays États-Unis comme étant nouveau président. Pas oublier, abonnez-vous à la chaîne. Si vous ne pouvez pas faire ça, activez la cloche de notification. Il y a une façon pour capable d'alerter à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Et c'est important, mesdames et messieurs, pour nous quitter un like sous vidéo ça et partager la vidéo. Il y a une façon pour capable aider en pile l'autre ami informé, même gens que vous avez informé là. On entre directement dans la vidéo pour aujourd'hui. On a commencé avec information, ça, mesdames, messieurs, sous débat entre J.D. Vince, qui est sénateur Ohio, et Tim Walz lui-même, qui est gouverneur état Minnesota, mesdames, messieurs. Et on a parlé que tous les deux, c'est deux vice-présidents que à la fois Parti démocrate a choisi et Parti républicain, mesdames, messieurs. Et J.D. Vince lui-même, lui déjà annoncé la couleur pour réunion ça qui va bien pour fête là. Et déjà gain confirmation, bon côté par Tim Walz, je n'ai pas regardé dans l'écran là. Et bien, ça c'est un tweet que Tim Walz lui-même lui fait juste pour être capable d'avertir avec médias ça qui va bien pour organiser réunion que lui déjà prêt pour que lui entre en débat avec J.D. Vince, mesdames, messieurs, dans la date 1er octobre. Cap vini là. Et en pile dans nous là, nous déjà à préparer, après que nous finissons suivre Kamala Harris et Donald Trump dans le débat que nous avons fait, et bien nous allons suivre J.D. Vince et
Tim Walz dans le débat que vous avez pour vous faire, mesdames, messieurs. Il y a possibilité pour que vous ayez seulement un débat, mesdames, messieurs. Nous n'avons pas même besoin d'attendre un débat. C'est un seul débat qui a gagné entre Tim Walz et J.D. Vance, mesdames, messieurs, dans le cadre de préparation pour l'élection qui a venu là dans le pays États-Unis. Et pour réalisation de débat ça, CBS News lui-même qui c'est média ça qui parle pour organiser débat, li t'a pas proposé monsieur yo 4 dates. Parmi 4 dates ça, il t'a proposé 17 à 24 septembre et puis 1er ou bien 8 octobre. Et bien c'est 4 dates ça mesdames messieurs que CBS News t'a pas proposé de vice-président ça yo pour connaître directement qui date que t'a pas kembe pour que réalisation débat ça lui-même n'était pas arrivé fait. Et bien finalement, date 1er octobre là, c'est lui-même qui t'a pas conclu pour que monsieur ça lui-même yo arrivé réuni. Et J.D. Vance lui-même, lui déjà fait connait que lui accepté avec réunion, c'est toutefois que CBS News lui-même l'a fait pour vérité et lui déjà annoncé que lui pas participer dans faux réunion. Ces réunions garçon pas camper, c'est bagage sérieux qui va le parler et il pas participer dans réunion sans que pas un public qui vraiment chauffé. Faut gagner un public là qui chauffé et que pour capable débattre avec Tim Walz mesdames messieurs. Et bien réunion ça nous capable d'être senti qui ça va le passer dans réunion ça mesdames messieurs entre deux monsieur ça J.D. Vance et Tim Walz. Et Tim Walz de l'autre côté, lui déjà prêt, ça veut dire que deux monsieur ça mesdames messieurs yo déjà prêt là juste pour capable à débattre lors de réunion ça. Et J.D. Vance même il t'a pas déclaré que yo n'a raison qui cause que lui veut que débat ça lui-même lui fait. Eh bien c'est parce que les vle américains yo qui j'ensaille entre deux campagnes soit républicain avec démocrate yo et pour capable avenir républicain yo pour pays États-Unis. Eh bien c'est ça que J.D. Vance lui-même qui c'est représentant parti républicain lui-même l'état pas déclaré comme étant une raison qui cause que l'état souhaité pour réunion ça lui-même les réaliser mesdames messieurs. Pour lui-même c'est vraiment important pour que peuple américain ouais yo deux a cap discuter juste pour capable gagner une idée de qui ça qui va bien pour faire. Et pour nous parler de Donald Trump mesdames messieurs, j'ai noté sur le commencement vidéo Donald Trump lui-même dans cadre une réunion que l'était gagné en Caroline du Nord, et bien il t'a pas profité de réunion ça pour être capable de tacler Kamala Harris, mesdames, messieurs. Le pire, c'est parce que Kamala Harris lui-même, lui pral gen pour aller également en Caroline du Nord pour être capable d'organiser réunion PAL, mesdames, messieurs. Et bien Kamala Harris lui-même, lui pral gen pour le déplacer pour aller parler sous même thème ça que Donald Trump lui-même lui t'a traité, qui c'est question économique. Et bien Donald Trump lui-même lui fait connaître que Kamala Harris, c'est une nan moun qui est responsable de question prix produit qui augmente. Et important pour nous connaître que l'État Caroline du Nord lui-même, c'est une État qui pèse en pile pour question élection, mesdames, messieurs. Et j'aimerais vous déjà dans le commencement de la vidéo, Caroline du Nord, c'est un État que Donald Trump lui-même était gagné lors de l'élection 2020, mesdames, messieurs. Ça veut dire que Kamala Harris lui-même lui doit faire tout ça possible là, après que Donald Trump lui-même lui fin rendre dans l'État ça, bien avant lui-même, eh bien, Kamala Harris lui pral gen pour devoir, pour faire tout ça possible, juste pour capable convaincre électeurs et que pour lui capable gagner Donald Trump dans l'État ça qui c'est Caroline du Nord, mesdames, messieurs. Et Donald Trump lui-même, lui critique sévèrement l'administration Biden-Harris là, comme étant que c'est lui-même qui est responsable. Question hausse de prix dévastatrice qui gagne dans le pays États-Unis, mesdames, messieurs. Il fait connaître que c'est eux-mêmes qui sont responsables. Si toutefois, il y a un pile produit que nous sommes en difficulté pour qu'ils achètent, pour question la vie chère, eh bien, c'est eux-mêmes qui sont responsables sous question ça. Et c'est lui-même qui prend le gain pour porter solution avec question prix produit qui vraiment haut, côté que la vie américaine eux-mêmes, ils sont capables plus faciliter si toutefois que c'est lui-même qui t'a vu président. Et je ne connais déjà, même lorsque Donald Trump lui-même a gagné dans la Caroline du Nord, ça va empêcher que Joe Biden lui-même, c'est lui-même qui a gagné l'élection. Et n'importe quoi, on a parlé là, Donald Trump lui-même a mis plus de poids dans la balance. Là, nous connaissons déjà depuis après que Joe Biden lui-même a fait retrait dans sa qui a rapport avec l'élection, depuis l'heure que Kamala Harris lui-même est entré dans la course pour Maison Blanche. Là, donner au tabac de changer pour candidat républicain qui c'est Donald Trump, eh bien, c'est ça qui fait la fête, tout ça possible pour que les capables arriver remporter l'élection, mais il y a une tâche qui ne va pas paraître facile, surtout du tout pour M. Trump, mesdames, messieurs. Et n'a pas bloqué
Kamala Harris lui-même lui parle bien pour aller Caroline du Nord jusqu'à vendredi à dans idée pour capable organiser une réunion même gens que Donald Trump lui-même l'étape organiser réunion ça mesdames messieurs. C'est pour capable présenter programme économique pour pays États-Unis. Ça c'est une idée qui cause que Kamala Harris lui-même lui parle pour lui présenter en Caroline du Nord jusqu'à vendredi à juste pour capable présenter plan yo pour capable réduire la vie chère surtout pour famille classe moyenne. Et également Kamala Harris lui-même pendant semaine qu'a venir là, li pral gen pou li renni dans zone ça qui c'est Chicago pour capable connait par parti démocrate là qui réunit en convention mesdames messieurs. Et également c'est pral yon l'autre occasion pour que Kamala Harris lui-même capable prouver vision pour Amérique avant réalisation premier débat qui pral gen pou fait face à président Donald Trump dans date cap 10 septembre cap vini là mesdames messieurs. C'est pral yon grande occasion pour Kamala Harris après que le film couronné par parti démocrate là. Et débat monsieur yo déjà également annoncé la couleur mesdames messieurs. Pabli, abonnez-vous avec channel là, si pas de ça, quittez un like sous vidéo et partagez yon façon pour capable aider en pile l'autre monde joindre information sur mesdames messieurs qui vraiment important. N'a pas rendez-vous pour une prochaine vidéo.